Eh bien, salut à toutes et à tous, c'est MrB622. On s'était quitté avec du PES 2015. D'ailleurs, j'espère que ça vous aura plu. Là, on se retrouve directement sur PES 2016. Tout simplement, la démo qui vient de sortir. Et pour moi, l'occasion de la tester avec vous. Vous faire part de mes avis à propos de PES. Même si je sais que déjà, je ne l'achèterai pas tout de suite. À moins qu'il y ait une réduction comme sur 2015 et à ce moment là peut-être, mais je vais déjà voir un petit peu au cours de cette démo vidéo, enfin vidéo de la démo. Oh là là, toujours des problèmes hein, à bien parler et tout ça. C'est chiant hein. Bon allez, bref, on va se lancer ça direct. Cette fois-ci je ne couperai pas les passages. Ah, allez, un petit France-Juventus, non, France-Brésil, je suis tombé. Ah, France-France, ouais, au moins c'est la France qui l'a gagné. On a deux stades, donc on va prendre le Juventus Stadium, et c'est parti. Donc là, à regarder comme ça, on voit pas énormément de différence. On va voir ça au niveau du jeu. J'ai l'impression que les couleurs ressortent quand même un petit peu mieux. Allez, là. Ok, c'est bon, on peut passer là. On s'en fout. Allez, c'est parti. Bon, déjà, il n'y a pas de commentateur, c'est normal, c'est une démo. Enfin, à moins qu'ils embêtent pas Stadi, je ne sais pas. Allez, Valbuena. Valbuena. Il y a corner. Il y a corner. Ah, quand même. Allez, Valbuena. Il y a que Valbuena qui la touche pour l'instant. Allez, on l'a fait comme la dernière fois. Oh, Matuidi, c'est dommage. C'est vrai, tu y vas. Tu y vas. Et ben tu dis, tu débordes. Pour le centre. Hop, tu les crosses. Hop. Non, ça c'est le basket. Ouh, dommage. Le bonal qui s'est enflammé. On va voir comme ça, on voit pas énormément de différence. À part que je vous ai dit, les couleurs ressortent un petit peu mieux, j'ai l'impression. C'est plus coloré, c'est plus sympa. Mais voilà, après c'est. Et Griezmann ? Ah, Griezmann, c'est complètement téléphoné ce que j'ai fait. Benzema. J'ai l'impression que je commence que le camp français là, dis donc, il faudrait que je me réveille, mais bon, il ne faut pas grand-chose les Brésiliens. Et Benzema ! Mais qu'est-ce qu'il a fait ? Il s'est mis sur le dos. Enfin, il s'est retourné. À quoi ça sert de se retourner ? Ouais, Karim Sagnol qui se laisse complètement avoir alors que Raphaël Varane est là. Remontez là mon petit Raphaël. Et Schneiderlin. Et tu dis devant pour Griezmann. Et tu l'as vu, tu l'as vu. Ouais, c'est joli. Pour Sissoko, Sissoko qui s'est un petit peu enflammé. Benzema. Oh, la frappe. Complètement raté. Et je me demande s'il n'a pas été un petit peu touché. Enfin, contre-plaqué, plaqué plutôt, plaqué au sol la balle. Et c'est pour Benzema, tu l'as vu, mais tu l'as vu Valbuena pour Griezmann. Griezmann, oui, magnifique. Alors que vous voyez qu'on peut, faire notre propre, enfin, on peut décider de la célébration qu'on va faire. Ça c'est un petit plus que assez sympa. Mais après c'est pas. Pas indispensable non plus hein. De toute façon il va faire une célébration, mais là on a le choix de faire celle qu'on veut, donc c'est plutôt sympa. Une belle action de Benzema, Valbuena et la finition de Griezmann, c'est plutôt sympa.
Et Valbuena, Valbuena pour Griezmann. Oh, Griezmann qui est en forme et Valbuena aussi qui est en forme, hein, dis donc. À eux deux, c'est les... ils font la paire, hein. Et la paire, il n'y en a pas deux. D'accord. Ok, je sors. Et ben non, je reviens. Allez, Valbuena. Valbuena, n'importe quoi. Benzema. Le gars, il se trompe carrément dans les joueurs, ça va pas ça. Mais tu dis de loin. Eh ben, un peu trop loin. Hein. Parce que David Luiz était juste devant moi. On s'en fout. Alors je sais pas si les persos sont un peu mieux faits. Enfin les footballeurs, on va dire plutôt. Benzema, mais comment tu veux que ça rentre sinon Benzema? Joli centre de Griezmann, très bien vu. Pour la tête de Benzema, et Benzema qui, comme d'hab, fait de la merde. Donc ça c'est bien, ils sont bien appliqués pour que Benzema fasse de la merde. Oh ça y est, il se rebelle. Oh, il se rebelle Benzema. Oh, il a pas aimé ce que je dis. Oh là, Sissoko, qu'est-ce qu'il m'a fait là? Je vois que Pogba n'est pas sélectionné. Enfin, il est sûrement sur le banc. Ils ont peut-être préféré Sissoko et Schneiderlin plutôt que mettre Pogba. C'est... Voilà. Ça se comprend, il n'était pas là dans les derniers trucs, alors du coup, ils ont pris la dernière mise à jour. Griezmann, tu l'as vu en haut? Griezmann pour Valbuena, mais il est trop petit. Laisse tomber, il va pas l'avoir. Il est trop court. En même temps, ouais, qu'est-ce que je vais lui dire? Valbuena qui arrive à Lyon, ça je suis très content. J'aime beaucoup ce joueur, hein, même si voilà, on peut le critiquer par sa taille, mais c'est vraiment un excellent joueur. Il mouille le maillot. Voilà, il mouille le maillot à chaque fois et je pense qu'il va apporter pas mal à l'Olympique Lyonnais. Donc je suis très content. Griezmann qui est pas mal fait, c'est pas mal. C'est pas mal, je crois qu'ils sont améliorés à ce niveau-là. Et Valbuena, tu la tires. Et comme d'hab, tu sais pas bien la tirer. Mais c'est ça que j'aime pas trop. C'est pourquoi c'est Valbuena qui tire les coups francs en équipe de France. Les coups francs, les corners. Il tire pas très bien, les corners. Hop là, 2-0, ça commence bien. Hop, on passe tout ça, on commence la deuxième période, c'est parti! Allez, faut redégager devant les gars! Et Matuidi, pour Sissoko qui est passé comme ça, mais c'était... Oh, Valbuena qui s'est arraché pour la donner à Griezmann et Griezmann qui l'a pris. Oh, comment il s'est arraché, Valbuena. Il s'est arraché le slip en même temps, lui. Et Griezmann, t'as vu Benzema pour Valbuena, mais oui, mais... Ça peut pas marcher, Valbuena, il a besoin d'espace pour pouvoir mettre sa tête. Ouais, ça défend bien, heureusement ça défend bien. Hein. Allez, William, Danilo. Et non, ça passe pas devant la défense française. Hein. Ça passera pas, les gars. Vous n'allez pas nous marquer un but. Allez, Benzema tout seul. Tu l'as vu. Oh, j'ai cru qu'elle allait pas aller. Et finalement, Valbuena qui met son petit but. 3-0, ça c'est bon. Bon, on va aller plutôt chercher du challenge au niveau de FIFA.
Là, en fait, je sais pas en quelle difficulté je joue non plus, donc ça se trouve, j'aurais galéré si j'étais à un niveau max. Et enfin, j'aurais galéré. J'aurais pu me défendre, mais pas là, il y aurait 15-0, un partout. Ben voilà, quoi. Ça serait plus compliqué. Mais comme c'est une démo, on peut pas toucher à tout, même le son. Vous voyez, je peux même pas y toucher. Donc, j'espère que vous m'entendrez bien. Je pense que vous avez reconnu, je suis à la caméra. Sur PES, j'aime bien, ça fait un comme un. Enfin, je sais pas, j'aime bien Baldou. Franchement, ils sont bien faits, les joueurs, j'aime bien. Là, ils sont vraiment bien faits. Ça, c'est beau, mais bon, voilà, je vous l'ai déjà dit, moi, je suis FIFA à fond. Et s'il n'y avait pas eu la désillusion du 15, je pense que je resterais sûr. J'aurais pas pu essayer. Oh, Benzema 4-0. Ça, c'est la France qu'on aime, ça. C'est la France qui marque. J'ai l'impression qu'il n'y a que sur les consoles de jeu où on peut avoir ce genre de résultat. Sinon, c'est contre des petites équipes. Et Griezmann. Oh là là, comment il s'est passé devant. La pression, le pressing, les gars. Le pressing. C'est important, le pressing, en défense. Ça, c'est très important. Mais ce qui est dommage. Enfin, ce qui est dommage. Du coup, ça fait sortir un petit peu les joueurs. Et ça peut être embêtant. Ouais, Benzema qui a essayé un truc, c'était pas terrible. Je peux jouer collectif les gars. C'est pas possible quand même. Et Griezmann, tu l'as vu. Oh, le petit cafouillage, mais c'est récupéré de la part du goal brésilien. Buena de loin, ça finit en Kinder Bueno, un bel Bueno. Allez, Griezmann, oh Griezmann qui ne l'avait pas, il peut avoir la Griezmann. Matuidi. Bon ben voilà, 4-0. Finalement, bah, on s'en sort pas si mal hein, pour une première fois sur PS2 2016. Bref, on se retrouve tout de suite pour mes opinions à propos de ce FIFA, enfin ce PES, pardon. Bah, on va pas se quitter. Je pensais quitter un moment et vous dire juste après, mais bon. Finalement on va pas se quitter parce que j'ai pas grand chose à vous dire dessus à part le fait que bah, je resterai sur FIFA, je le trouve vraiment bien, enfin bien plus joli, mais après voilà, ça reste du PES, c'est pas du FIFA, donc faudrait que je teste FIFA, la démo hein, qui sort comme d'habitude une semaine avant le jeu, enfin normalement j'espère. Bref, voilà, c'était MrBeast622. Ce sera mieux quand on fera une comparaison des deux démos. Ce sera plus cool, en fait. Donc, voilà. Bref, voilà. C'était MrBeast622. Salut à tous.